des passations du pouvoir pacifique et civilisé. Et nous, journalistes, c'est un peu historiens du présent, nous devons rendre compte que c'est Fatih et Kabila qui en ont donné l'exemple et le monde entier a applaudi. Et l'histoire congolaise en sera fière. Nous avons beaucoup d'actes de fierté, dont cet acte-là. Ça, c'est un deuxième élément. Je ne peux pas... Faul Telami, je l'ai connu bien avant que je connaisse mon jeune frère ici. Fayoula, Martin, on s'appelle amis. Et on est amis. Tout le monde jusque est maintenant. Tu es comme ça. Alors, Kassan, j'ai le téléphone ici. Il m'a téléphoné tout à l'heure, je n'ai pas à mentir. Tout à l'heure, j'étais au volant de la voiture. On a parlé par là. J'ai dit, écoute, Martin, va chercher voilà, la poste. Ce combat que tu mènes est un combat perdu d'avance. Sois quand même réaliste, sois un bon perdant. Ce n'est qu'un mandat de 5 ans. Qui te dit que tu vas doubler le mandat, il peut échouer. Commence à te préparer à te battre dans 5 ans. Tu as des atouts. Mais c'est comment que tu mets un combat à rien. Ça peut être... Il se plaignait du fait que le journal l'attaque en disant que la paix de la Mouka était la paix pour le génocide kassaïen. Moi, je dis oui. Nous avons des éléments de preuve. Et puis, comment ça? Moi, je dis, si pendant le meeting, là, les gens qui parlent, ils me disent non, et les services de sécurité vont nous diviser. Moi, je dis non. Tu devais monter à la tribune et dire, je dénonce ça, ce n'est pas le massacre de la Mouka. Il fallait dénoncer immédiatement. Mais tu as laissé faire. Les gens ont pris ça comme l'argent content. Je suis au téléphone tout à l'heure. Il peut le demander. Il dit, je ne mens pas, je ne peux pas mentir. J'ai le téléphone. Même son numéro est là. À moi qui m'ai appelé dans le téléphone d'autrui. Son numéro est là. Et la voix, on peut la enregistrer. Si on veut à la. On va dire, c'est Fayoul Martin. C'est Fayoul Martin. On m'a dit, ah, comment ça va? Donc, ça fait un élément. Autre élément que dit Kabuya. Bon, j'espère qu'ils vont en faire rester là. Parce que l'UDP, ça fait 37 ans de combat pacifique. Et la doctrine n'a jamais changé. La non-violence est Tshisekedi en est mort. Et son fils prend le flambeau, c'est ça lui dépèse. Ce n'est pas le parti d'appeler les gens à taper tel, à faire ceci. Ça, c'est terrible. On veut de voir ça avec la Mouka. On est malade, on a peur. Parce que la radio Mille Collines a commencé comme ça. Des petites phrases à gauche, à droite. Jusqu'au génocide. L'Afrique entière, le monde entier, regarde le Congo avec peur. Dis, mais des appels pareils en arrivent à ce genre de choses. Et je vais vous dire une chose. Quand vous voyez ceux de la Mouka qui commencent à se réveiller, à commencer par Kyungo Kumwanza, qui a dit Fatih est mon fils. Effectivement, c'est son fils. Kyungo, parmi les 13 parlementaires, ils avaient 46 ans, à fleur de l'âge. Ils avaient des bons salaires à l'époque comme parlementaires, élus, qui ont dit on n'est pas d'accord avec ce régime. Et ils ont été relégués, humiliés, Kyungo avec Tshisekedi le père. Donc, Fatih le connaît comme papa. Et Kyungo reconnaît. Il dit, arrêtez, Fatih est mon fils. Alors, quand quelqu'un dit ça, est-ce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux? Et aujourd'hui, Kabila aussi est sérieux selon lui. Oui, parce que l'histoire avance, papa. On ne recule plus. La route de l'histoire avance. Si quelqu'un fait un acte louable dans l'histoire, on parlera pendant des générations. Nous devons applaudir. Écoutez, je vous dis une chose. Moi, j'ai travaillé pour Kabila, moi, à San City. Mike le sait. Je ne sais pas, monsieur, ne me prends pas à témoin. Et j'ai travaillé avec Vital Kamerhe, dont j'étais le conseiller politique. Je peux citer beaucoup d'autorités, que ce petit général Etumba. C'était Pierre Kangoudia. On a commencé ici avec Vital Kamerhe, jusqu'à San City. Je suis revenu ici dans un avion spécial pour voir le président Kabila. Avec Vital Kamerhe, avec le bâtonnier Mbuyu, avec Feu Samba Kaputo, qui est mon aîné d'ailleurs. Et pour voir, j'ai travaillé pour eux. Quand je suis revenu, pour des raisons professionnelles, l'éditeur me dit, Koufidan, non, toi, tu as beaucoup travaillé avec ça, mais tu prends le dossier du RCD. Comme tu connais bien l'Est, tu es de là, par ta mère, tu connais les conseillers. C'est comme ça que je suis allé être permanent du l'UDPS auprès des Roubaix-Rois, avec lesquels on a bien travaillé. Comme journaliste, pas comme politicien. Je n'ai jamais été policier, moi. Jamais. Quand je le serai, je le deviendrai. C'est comme maintenant, je vais maintenant presque à la retraite. Je peux dire, bon, j'ai beaucoup travaillé, j'ai rendu. Je peux devenir politicien. Je ferai comme Max, je vais poser ma candidature. Si je ne suis, pas élu, je deviens politicien. Parce que tous les politiciens ne sont pas déjà élus. Il y a ceux qui font la politique sans avoir été élus.
Donc, j'ai encore le loisir de le faire, mais je verrai le choix. Alors, je réponds maintenant à cette histoire de Kabuya. Lui, il parle en tant qu'homme politique. Moi, je parle en tant que journaliste. Donc, nous avons deux approches différentes. Moi, je dis, l'UDPS, c'est que je prends comme journaliste, est un parti qui a toujours prôné la non-violence et n'a pas à répondre à la violence. Et n'a qu'à prendre acte et laisser la police sévir. Et la police a prévenu. La police a prévenu qu'il y avait des appels à une tribale. La police, ça c'est le colonel, le général Kasongo. Kasongo. Ouais. Moi j'ai lu ça, le communiqué. Et j'ai suivi la télévision. La police a déjà averti, a déjà levé le ton pour dire attention. Merci Fidèle Moussamou, parce que là ça fait 6 minutes. Nous allons aborder le deuxième sujet. Mike Mukebayi, du DPS traite Kabila aujourd'hui de sérieux. Votre meeting de la Mouka le samedi appelle à la haine tribale. L'UDPS ne veut pas se taire. L'UDPS aussi prête à répondre le 15 février à la même place. Demande à ton invité de ne pas me prendre à témoin. Quand il est travaillé avec Kabila. Mike Mukebayi répondait à ma question. Non, quand il est travaillé avec Kabila, j'étais pas là. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut insinuer par là. Monsieur, si tu es allé travailler avec Kabila, tu l'as fait de ton propre chef. J'étais pas là et j'en sais rien. Je l'ai dit devant le public. Ça, c'est de un. Il dit qu'il n'a jamais été politicien. Il était candidat dans mon regroupement. Il n'a pas été qualifié, c'est tout. Qu'est-ce qu'il veut me dire ici? Il était candidat à AAD. Aujourd'hui, il est cash parce qu'il est cash au pouvoir. Il était la Mouka comme moi hier. Monsieur, tu étais candidat, non? Tu n'es pas venu au sein de mon parti, tu étais venu faire quoi? Faut arrêter ça. Ok? Mike, ma question. Faut arrêter ça. Répondez à ma question maintenant. Ok. Et puis, j'entends les gens qui parlent, l'opposition qui n'a jamais touché de l'argent la nuit. Et Ibiza, ça fonctionne avec l'argent de quoi? Les voyages qu'ils avaient payés, ils ont payé de leur poche. Vous mentez à qui? Ibiza, des mois, dans des villes balnéaires où ça coûte cher les séjours, des hôtels de luxe, Monaco, Paris, qui a payé? Où est le libellé? C'est écrit où? Qui a sorti l'argent? C'était combien d'argent? L'UDPS peut nous rendre compte au jour d'aujourd'hui? Ils ont reçu des collations faramineuses. C'était combien? Ils peuvent nous le dire? Qu'on arrête cette histoire-là. Ok? Et j'entends parler ici des appels. Qui a lancé un appel à la haine tribale? Pourquoi vous voulez monter le Congolais les uns contre les autres, messieurs? Citez les noms et les contextes où il y a un responsable de la Mouka. Sinon, il sera responsable. Il en répondra devant la justice responsable de la Mouka. Des appels à la haine. Vous parlez des génocides. Mais c'est vous qui êtes en train d'enflammer le Congolais. Quand vous utilisez le mot génocide dans votre journal. Moi, je suis Kassaya, des pères et des mères. Et je serai là pour que je laisse qu'on tue mes frères. Arrêtez, vous dites 12 ans. Qui a lancé cet appel, monsieur? Tu es journaliste. Citez le nom de l'individu. Il en répondra. Mais lorsque la foule criait, attendez, a-t-il répondu? Attendez. Je t'ai dit ceci. Je serai le premier à encourager que cet individu réponde devant la justice. Ok? Qu'est-ce que ça s'intéresse? Répète-le-moi. Et que ma sœur Martin faut la laisser passer. La foule a même demandé des armes. Martin a dit, vous êtes une arme vous-même. Quelle haine vous voulez parler? C'est vous. Vous voulez embraser le Congo. Le mot génocide, vous en connaissez la portée. Et voilà aujourd'hui les mots qu'il sort. Fort. Radio Mille Collines. C'est vous qui voulez embraser le Congo. Moi, je suis Kassaïen, des pères et des mères. Et je les revendique. Ma défunte mère est là où il y a eu le Kamouina. Ma défunte mère. Moi, je suis la Kassaïen. Mon père et mon Kwambaye. Je parle Tchilouba, moi. Et je serai là et j'accepterai qu'on tue les Balouba. Les Balouba sont-ils la cible de la Mouka? C'est vous. Comme vous n'avez pas d'argument. Et je vais te dire une chose. J'ai déjà participé à une réunion de Kassaïens avec ton patron. Chez Bochab. C'est ça, vous qui êtes ethnique. Et il dit, on ne nous aime pas ici. Ton patron. Et c'est ça, ses discours. Excusez-moi que je lui dise ici. J'arrive dans une réunion. On dit que c'est présentation de vœux, que des journalistes, c'est Kassaïen. Et après, c'est son patron qui prend la parole. Il dit que nous, les Kassaïens, on ne nous aime pas. Une minute de parole. On ne nous aime pas par qui? Les Kassaïens sont chez Kabila, sont chez Katumbi, chacun selon son conviction et ses intérêts. C'est vous qui avez ces germes-là dans vos esprits. Et vous voulez maintenant, là, l'inoculer au Congolais. Il ne passera pas. Et c'est ce que j'ai dit de ton patron qui vient de me démentir. Et c'est ça maintenant qu'il traduit dans son journal. Quand il parle du génocide. Parce que lui se met dans une position de victime. Il veut se victimiser pour rien. Nous sommes Kassaïens ici. Je vis ici. Je suis né ici.
D'ailleurs, excusez-moi que les Kassayens les prennent pas mal. Je me sens plus quinois que les Kassayens. J'ai des frères Bakongo, Bayaka, Bandundu. 53 ans d'âge dans cette ville. Je n'ai jamais senti une stigmatisation contre les Kassayens. Peut-être de la part d'un ou des individus. Mais Kinshasa ne connaît pas le clivage ethnique. Il y a tellement d'ethnies ici qu'il est impossible. S'il y a eu des dérapages à tel ou tel endroit, il faut condamner. Mais ne commencez pas maintenant à faire un fonds de commerce pour préserver votre pouvoir. Merci beaucoup, Mike Moukeba. Ceux qui ont élu, Fatih, il n'y a pas que les Kassayens. Dans ceux qui ont élu Fayoulou, il n'y a pas que les gens du Bandundu. Arrêtez ça. Téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, deuxième sujet du jour, élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs pour le 14 et 26 mars prochain. Plus de 258 candidats sénateurs et 21 gouverneurs déjà enregistrés. Mike Moukeba, je vous donne la parole parce que c'est vous, les députés provinciaux qui allez élire les gouverneurs et les sénateurs. C'est une bonne affaire en matière d'argent, comme on le dit, hein, pour vous, les députés provinciaux. Bon, c'est regrettable qu'il y ait certaines pratiques illicites. Ça ne se passe pas aux idées, ça ne se passe pas aux convictions, ça se passe à des négociations sur fonds pécuniaires. C'est regrettable, je ne peux que le regretter. Mais il s'agit d'une question de discipline des partis politiques. Les partis doivent travailler le plus à la base pour recruter les bons candidats. Il faudrait dire ici que Kinshasa, il y a quelques candidatures enregistrées, Batumona, Gentil Ngobila, nous avons entendu dire, Magloire Kabemba aussi serait candidat gouverneur, Raphaël Kibuka pour le compte du mouvement de libération du Congo pourrait être aussi candidat gouverneur, on attend, mais F. Bazaïba à Tchopo, Zoé Kabila pour la province du Tanganyika, Kalev Mutom pour le Lualaba, Akaj qui est contre la candidature de Kalev, le tout-puissant Kalev de l'année. Mike Moukeba, c'est toujours dans votre temps de parole. Bon, à Kinshasa, il y a une chose. Je parle plus ici comme député provincial, mais je ne veux pas influencer les votes. Je crois qu'il y a une interpellation de la part de l'opinion. C'est que nous avons vécu avec Kim Bouta, nous sommes obligés de faire un bon choix, de donner à la ville de Kinshasa un bon gouverneur. Et il faut quel gouverneur pour Kinshasa? Oui, attendez, moi mon choix tient à quelques éléments. Mais avant que je passe à mon choix, monsieur qui est à ma gauche te répondra, regarde les difficultés qu'ils éprouvent pour se mettre ensemble. Ils ont dit qu'ils sont partenaires, ils sont alliés. Le FCC présente son candidat, l'UDP son candidat. Mais ils vous disent qu'ils sont partenaires et alliés, je ne comprends pas ces partenariats. Ils devaient se mettre ensemble et d'ailleurs ils auraient gagné facilement s'ils se mettaient ensemble. D'un côté il y a 12 UDP, de l'autre 17. Et c'est quel partenariat? Demande à ton invité d'expliquer ça au public. Mais moi, mon choix tient à quelques éléments, principalement. C'est-à-dire, je ne donnerai jamais, moi, je ne serai pas l'UDP qui régnerait ces temps de lutte. Jamais je ne donnerai ma voix au FCC. Jamais pour rien au monde. J'ai entendu dire ici que c'est un acte historique, alternance. Nous l'avons obtenu des hautes luttes. Ce n'est pas le mérite d'un individu. Des hautes luttes, nous avons payé le prix fort. Des morts, du sang. L'UDP elle-même a contribué activement à cette lutte. Je ne sais pas compter le nombre de morts UDP. Aujourd'hui, on oublie tout ça. On met ça sur le compte d'un individu, on met ça sur le compte de Kabila. Nous n'avons rien obtenu de Kabila de bonne foi. Chaque fois, il nous a fallu payer le prix fort. Vous enlevez ça dans la mémoire de nos enfants, c'est grave. D'enlever à nos enfants que nous avons combattu pour arriver là. Vous tuez l'histoire, vous tuez le Congo, vous n'y arriverez pas. Alors je vous dis, je ne donnerai jamais ma voix au FCC, hors question, je ne suis pas l'UDP. Donc prêt de donner votre voix Je ne donnerai pas ma voix à quelqu'un qui serait issu de la cuisse de Kim Bouta, après tout ce qu'il a fait à ma vie. Jamais, parce que j'ai conscience d'où je viens, où je vais. Je ne souffre pas d'amnésie comme l'UDP. Amnésie pour le pouvoir, pour être là. Je sais m'assumer, j'ai des convictions, je les assume et je les porte fièrement, en toute modestie. Merci, Mike Moukeba. S'il m'était donné à Kinshasa, quand vous me parlez de profil, j'ai un profil de quelqu'un qui est indépendant. Moi, je suis sur le banc de l'opposition à cette assemblée, mais je trouve quelqu'un qui a un bon profil, qui n'a jamais trempé, qui s'appelle Déo Kasongo, qui a prospéré dans les affaires et qui présente un projet sérieux pour la ville. Tant mieux! Si ça peut plaire aux autres. Mais j'ai dit, voilà quelqu'un que nous pouvons présenter aux Quinois et qui peut, dans une certaine mesure,
Je me réserve. Parce que, en tout état de cause, que ce soit lui, que ce soit un autre, je resterai sur le banc de l'opposition pour faire mon boulot. Attendons voir. Fidèle Moussangou, les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, sénateurs, c'est pour bientôt. Vous êtes de Kinshasa. Quelle lecture faites-vous de toutes ces candidatures enregistrées? Mon frère, il faut lire l'histoire politique de ce pays avec des yeux ouverts. Et vous allez vous rendre compte que depuis 1960, aucun parti politique n'a jamais obtenu la majorité absolue au Parlement. Je commence par Lumumba. Il a dû faire une coalition avec les nationalistes du côté ici du centre ou de l'ouest. Lumumba là. Deux, vous avez Mobutu lui-même, quand il est arrivé au pouvoir. Le premier gouvernement avec le général Moulamba. Il a dit au général, vous allez faire appel aux députés élus en 65. Oui. Et c'était par territoire. C'est comme ça qu'on est allé. C'est que dit les gens par-ci par-là, venus de tous les horizons. Je vais mettre à Mobutu pendant tout le temps qu'il a passé là. Il a toujours fait un dosage sociopolitique pour avoir un gouvernement d'union nationale. C'était un nationaliste et il le vivait. Bon, vous allez par exemple avoir Kabila père. Quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il a un dosage. Malheureusement, l'UDP s'est taillé pas mal de sièges parce que les élections de gouverneurs se faisaient dans le stade. Or, l'UDP, comme c'est un parti populaire, a gagné beaucoup de postes. Alors, quand son fils arrive à San City, c'était toujours un gouvernement de coalition. Les belligérants d'un côté et l'opposition pacifique de l'autre côté, mais on a partagé les postes, même dans les entreprises publiques et des communistes. Alors, après, en 2006, le PPRD avait 110 députés, le MLC avait 80. Qu'est-ce qui s'est passé? Le PPRD a négocié avec qui? Gizenga. Il y a un accord politique toujours pour avoir la majorité à l'Assemblée. Vous voyez, j'ai oublié l'histoire. Et maintenant, ici en 2011, même chose. Mende n'est pas du PPRD, Mende est avec son parti politique venu de San City. Donc, il y a une coalition. Et maintenant, Kabila, avant de partir, son discours d'adieu, il a dit, voilà, il fait appel à une coalition de progressistes. Il savait très bien que le Fonds commun pour le Congo n'est qu'une plate électorale qui, d'après la définition, n'est-ce pas, ses limites à un espace et à un temps, d'où l'FCC n'a pas de personnalité juridique, parce qu'il est limité dans le temps et dans l'espace. Alors ici, il y a des négociations, comme ça. Parce que le PPRD a comme député 52. Les autres sont des alliés pour l'élection qui est passée. Après l'élection, chaque parti récupère son autonomie et négocie avec qui? Les partis vont négocier avec celui qui nomme et révoque. Il s'appelle Fachi. Ils savent et ils ont commencé à négocier. Et maintenant, parce qu'ils veulent, ils veulent aller pour la ville de Kinshasa, même procédure. Ils vont voir, vous savez, ici, l'autre remarque qu'on fait à Fayoulou, c'est l'élection du gouverneur en 2007. Fayoulou. Mais ça appartient au passé. Attends, aujourd'hui, je donne comment la chose se fait. Fayoulou devait participer en tant que député provincial à l'élection du gouverneur. Alors, il y avait un candidat du MLC, s'appelle Adam Bombolé, à qui il fallait seulement 2-3 voix pour passer. Fayoulou n'a pas passé. Fayoulou a voté pour André Kimbuta. Et on a vu les conséquences maintenant. Et on le lui a reproché. Oui, bien là. Mais partout, il y a des coalitions. Donc, pour l'élection du gouverneur ici, les gens sont en train de négocier. Parce que la politique, c'est l'art de négocier. Ils négocient, voilà, vous donnez ça, nous donnons ça. C'est ça qui va se passer. Et c'est lui qui passera. Ce sera le fruit des négociations, comme André Kimbuta en 2007. Et dans toute la province, j'entends que le petit frère du président est candidat à... Oui, c'est son droit, il est citoyen congolais. S'il parvient à ses gouverneurs, élu, parce qu'il est élu par les députés provinciaux. Et c'est Kalev est candidat à... Oui, malgré les sanctions européennes sur sa tête à cause d'affaires des Kamuina Zabou, si on les lit là-bas, c'est une affaire interne. Il n'est pas dit que Kalev doit aller en Europe. Il sera gouverneur d'une province congolaise et il est établi au Congo. Dans ça, hein. Donc vous savez qu'ils sont tentés de négocier. C'est pourquoi les choses prennent. Non seulement ils négocient, en même temps, ils ont un regard sur la Cour constitutionnelle avec ceux qui ont perdu, à qui on a volé des sièges comme Mike ici. Il est là, la Cour constitutionnelle, il cherche.
s'il parvient à devenir député national, on va applaudir parce que la Cour générale va statuer en premier et dernier ressort. Donc les gens, les laboratoires politiques observent la Cour constitutionnelle, en même temps observent les négociations dans le coulisses. Nous sommes arrivés au terme de l'émission, en tout cas deux minutes, le décret signé par le Premier ministre Bruno Tshibala, Fidèle Moussangou, pour ou contre ce décret allouant certains avantages aux membres du gouvernement sortant. Écoutez, en une minute. En une minute. Quelle que soit la richesse de ce pays, on doit réduire le nombre de bénéficiaires de ce décret. Par exemple, les anciens présidents, et pas les premiers ministres. Je dis les anciens présidents de la République. Mm-hmm. Juste là, il n'y en a qu'un seul. Et puis, il y a peut-être la veuve Kabila, et peut-être aussi la veuve... On peut... Mais pas les ministres, pas les PDG, pas les généraux. Et là, non, là, j'ai dit... J'ai suivi le professeur Tshibankala. Eh bien, on se verra, je lui dirai, bon, c'est aussi un ami. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on arrête ça. Il ne faut pas continuer à entretenir des gens qui se sont d'abord très bien servis. Mike Moukebaï, pour ou contre le décret, en une minute. Je vais dire rapidement une chose. Une coalition est basée sur des positions politiques. Vous n'avez qu'une minute, Mike Moukebaï. Et à partir de ces positions, vous négociez. S'il y avait le temps, contre le décret. S'il y avait le temps, tu aurais dû demander. La coalition par le PPRD reposait sur quoi? Sur néant. Pour ou contre le décret signé par le Premier ministre Bruno Tshibala. Sur néant. C'est votre néant, sinon la non, oui, j'ai terminé. Résultat des courses aujourd'hui, cette coalition n'a profité ni au pays ni au Palou. Les Palous aujourd'hui a presque disparu des écrans radars. Écoute, ben, on a donné l'exemple avec la loi portant statut des anciens chefs d'État et Tshibala a cru bien faire. Voilà le Premier ministre dont il se vante. Voilà l'UDPS. Il est venu au pouvoir pour jouir et les jours. Il doit partir, il veut se donner à lui des privilèges. Et lui se vante ici, dit c'est un premier ministre. Il n'y a pas de république de privilèges. Une république, c'est la loi, elle est la même pour tous. Même cette loi portant statut des anciens chefs d'État, il faudra un jour la revoir. Elle donne trop de privilèges. Je vous donne un simple exemple. Merci beaucoup, Mike Moukebaï. Sorry. Merci. Il est temps.